Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Jake au micro pour cette nouvelle chronique, cette nouvelle aventure qui s'appelle Polygame et comme son nom l'indique, ce sont plusieurs jeux Polygame. C'est tout ce que vous ne pouvez pas retrouver sur la chaîne en gros, parce qu'on a déjà du rétro, du rétro avec Regard dans le rétro, on a déjà de l'indépendant avec un décaféiné et tout le reste, eh ben on l'a pas. Et tout le reste, donc, ce sera sur cette chronique Polygame. Ce sera du Hearthstone, du League of Legends, du Heroes of the Storm aussi. Sachant que pour ce genre de choses, on peut aussi en faire des duels. Mais alors, si on fait des duels, c'est vraiment sur C'est l'heure du duel, l'autre chronique un petit peu plus exceptionnelle. Là, c'est vraiment des choses qu'on vous présente, des aventures qu'on va faire. Voilà, ça pourrait être aussi des très gros jeux. Des très gros jeux, du Rayman, je sais pas moi, du Assassin's Creed, même si je pense pas qu'on fasse du Assassin's Creed, mais ce genre de choses. Ça pourrait être un épisode unique pour certains jeux, comme plusieurs épisodes pour une série d'aventures. Et donc, pour inaugurer cette Polygame, on est sur Hearthstone, on va dans les aventures, et on va commencer par Naxxramas, qui est sorti donc cette aventure fin 2014. C'est une aventure que j'ai déjà terminée, on va le faire en normal, tranquillou. Dans mes decks, j'ai des cartes Naxxramas parce que justement j'ai terminé cette aventure. Comme par la suite, Roche Noire, je l'ai terminé aussi. Il y aura par la suite des cartes Roche Noire dans mes decks. C'est histoire de présenter vite fait ces aventures sur Hearthstone. Parce qu'il n'y a pas que du PvP, il y a aussi du PvE. Voilà. Pour Naxxramas, ce qu'on va faire, c'est que tous les épisodes, en gros, dès que cette vidéo sort, vous pourrez accéder aux autres épisodes de Naxxramas directement. Il ne faudra pas attendre une semaine. C'est vraiment pour bien lancer la chose. En revanche, Roche Noire, on fera ça un petit peu plus lentement parce qu'il y a un petit peu plus de challenge aussi. Surtout sur le dernier boss. Nefarian est très rigolo. Donc, la malédiction Naxxramas, c'est parti. On commence par le premier boss. Naxxramas, pour le rappel, c'est un raid dans World of Warcraft où il y a 4 ailes plus un étage. Et chacune des 4 ailes comporte des boss. On va commencer donc par le quartier des arachnides avec Anubrekan, premier boss. Anubrekan est l'un de mes plus puissants seigneurs araignées. Alors bonne chance. Et pour Anubrekan, je sors mon chasseur. Il est bien le chasseur. Vous verrez, je vais jouer souvent la même classe, sauf exception. Rexar contre Anubrekan. Parce qu'il est cool, le chasseur. Bienvenue dans mon. Alors, on sort. Ouh, ennui au tronc, ça c'est cool. Ça c'est un petit peu haut et ça c'est un petit peu haut pour le moment. On va passer. C'est pas mal, c'est une bonne première pioche. C'est pas mal. Anubrekan, donc son pouvoir, c'est Grouillement qui nous invoque donc. Un Nérubien 3-1. Enfin, il lui invoque, parce que nous, pas trop. Et on sort directement le gnome lépreux qu'on vient de piocher. Donc si mon gnome meurt, le héros prend 2 points de dégâts, ce qui va être le cas maintenant. Voilà. Alors là, je cherche pas à comprendre, provocation directe. Et en plus, il y a un bouclier divin, c'est gratuit, c'est offert par la maison. Ombre de Naxxramas. Alors j'aime pas trop le camouflage. Sachant qu'elle prend plus en plus en au début de chaque tour. Alors est-ce qu'elle prend plus en plus en jusqu'à ce qu'elle soit décamouflée ou pas, je ne sais plus. Donc je sors au Seigneur de la Mort. C'est une carte Naxxramas qu'on peut avoir un petit peu plus tard. Dans les boss d'après. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est une aventure déjà terminée. Donc j'ai fait mes decks avec des cartes Naxxramas. C'est une bonne carte, elle coûte pas très très cher. 3 pour du 2-8, c'est plutôt cool. Le seul inconvénient, c'est qu'elle invoque son râle d'agonie, c'est elle invoque un serviteur du deck adverse sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, oui, si on veut, sur le plateau quoi. Ok, il m'a fait sauter le bouclier, c'est pas très très grave. Ça, on va le garder pour le moment. J'ai pas mal de provoques dans mon deck. J'ai pas encore de bête, donc on va continuer sur de la provoque. Tant qu'à faire. Et petit lag, ça arrive. Ok,
Ok, donc en fait, il continue à plus en plus même après le camouflage. Ah oui, attaque-moi toi. Bon, tant pis. Alors, chaque fois qu'une bête alliée meurt, va gagner plus en plus un. Donc on va sortir ça, on va sortir la tisseuse qui est donc une bête. Sachant que la tisseuse, si elle meurt, je vais avoir une autre bête là-dedans. Par contre, j'ai pas très envie de lui mettre une provoque à la hyène. On va sortir le secret. Par contre, le secret, il va falloir qu'il fasse sauter mes provoques. Donc Anubrekan devra faire sauter mes provoques pour que le secret s'enclenche. En attendant, on va continuer à le frapper. Allez, voilà, fin du tour. Bien joué, c'est le platon aussi, c'est rigolo. Oh, c'est méchant ça. Ça aussi c'est méchant. Réflexion. Réflexion. On va jouer ça, ce secret, qui fait que si un des serviteurs m'attaque, c'est renvoyé dans sa main. Mais ça coûtera 2 cristaux de mana supplémentaires. On va pouvoir faire ça. Je vais faire ça. Et oh, alors ça, c'est du joli. Légendaire Gazrilla direct. Ah, c'est du joli. Gazrilla, alors si mes souvenirs sont bons, c'est un des boss dans le donjon Zul'Farrak, dans Tanaris, en Kalimdor, donc sur World of Warcraft. C'est un boss qu'on invoque, il n'est pas là forcément. C'est une très bonne carte. Ah, très bonne pioche. Par contre, là, j'ai pas trop envie de perdre ma hyène. J'ai pas trop envie de perdre ma hyène, ouais. Donc on va rester là. Oh mais non. Ah si, c'est bon ça. C'est le bon secret qui s'est enclenché, ça va. Voilà, ça nous enlève une provoque de son terrain. Plutôt bon donc tout ça. Alors, direct, Gazrilla, je cherche pas à comprendre. Et... De toute manière, il n'a plus qu'un point de vue. Voilà, et bien, il faut doubler les dégâts tant qu'à faire. Ouais. C'est bon, fin du tour. Alors. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Oh non. Non, ça c'est pas cool ça. Ah, c'est pas cool. Alors lui il a été invoqué, donc vous avez vu il est sorti de mon deck. Mais il a pas fait son effet parce que justement il est sorti de mon deck comme ça. C'est pas cool ce qu'il m'a fait. Bon, au moins Gazrilla a la vie, mais c'est quand même pas cool. On met une provocation à mon chien, maître chien. Il ne porte qu'un worgen. Voilà, allez, c'est bon. On l'a au prochain tour de toute façon. Ah, il a peur de mon Gazrilla quand même. Plus près, morceau de choix. Pas très drôle, j'ai envie de faire du suspense, j'ai envie de le tuer avec Gazrilla en fait. J'ai envie de le tuer qu'avec ça. Parce que là je pourrais, je fais du 2 et 2, c'est bon, c'est tranquille. Juste le suspense. Je lui laisse un petit tour quand même. Au revoir. Bon bah il s'est suicidé du coup, tant pis. Et mon Gazrilla qui passe en 32. Non, je veux dire, aucune importance. Tu ne pourras jamais vaincre la grande veuve. F
fin de ce premier épisode de l'aventure Naxxramas sur Stone. On a battu Anubrekan et la prochaine fois on fera donc la grande veuve Faerlina. Et la prochaine fois, c'est dans la vidéo qui suit. Donc je vous dis à tout de suite. Générique.